bien, y'a tout le monde, c'est Wolfgang. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Moi, pour ma part, ça va vraiment super. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la dernière demi-finale qui opposera moi contre Aor. Et enfin, à la fin de cet épisode, nous serons qui affrontera Val en finale. Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon épisode et on se retrouve tout de suite pour le gameplay. Et nous revoilà donc pour le gameplay. Alors donc, Aor est en bleu, je suis en rouge. Donc je suis en haut, il est en bas. Donc un match qui va être assez cool, hein, clairement. Donc je décide d'envoyer un bébé dragon pour contrer ses petites troupes. Bon, il a pas mal de cartes qui coûtent pas cher dans son deck Aor, hein. En plus, il a un extracteur qu'il a placé sur le côté droit de sa base. Donc voilà, donc moi je décide d'envoyer un golem en haut à droite. Voilà, voilà, enfin moi c'est en bas à droite de mon point de vue. Enfin, je pense que vous avez compris. Bref, de ce que vous voyez, je l'ai envoyé en haut à droite. Donc juste derrière, je décide d'envoyer une mousquetaire et un bomber pour arrêter ses barbares et ses quelques troupes. Mais malheureusement, il grille mes troupes avec sa boule de feu. Ce qui va être assez ennuyant parce que ça va arrêter mon golem. Donc j'étais assez triste, tout né sur le coup. Mais c'est pas grave, donc pour le moment je domine ma Valkyrie qui va pas tarder à se faire déchirer par les serviteurs. Mais elle a quand même eu le temps de mettre un petit coup. Aor qui envoie les petits minions ainsi que son petit cochon. Je décide d'envoyer les barbares pour stopper son cochon. Mais son cochon a tapé et malheureusement c'est lui qui est en tête maintenant. Il a fait vachement beaucoup de dégâts. Donc il envoie ensuite la boule de feu pour stopper les petits barbares. Voilà, voilà. Donc jusqu'à là, rien de spécial. Je décide encore une fois d'envoyer un golem. Lui, il attend d'avoir de l'élixir, mais bon, avec ses extracteurs, ça va être assez simple. Et donc du coup, il envoie des barbares ainsi que des gobelins et même les petits squelettes qui coûtent un d'élixir. Là, je savais même pas que des gens l'utilisaient pour vous dire. Donc voilà. Malheureusement donc, il grille encore une fois mon bomber, ce qui va permettre de tuer mon golem avant qu'il ne fasse trop de dégâts malheureusement. Donc là, mon dragon qui va terminer ses petits barbares. Et je décide de renvoyer une Valkyrie avec mes petits barbares juste en haut. Lui, il envoie une offensive chaucheur de cochon serviteur, mais son chaucheur de cochon va se faire défoncer. Et là, bim, sort de zap. C'est le drame, il reste plus que ma Valkyrie en vie. Et voilà, je pensais que quelques troupes auraient suffi là, mais non, clairement, le zap a tout niqué. Bref, donc je renvoie un golem encore une fois. Lui, il envoie un cochon qui va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts, qui va réduire ma tour à 500 points de vie. Mon golem, encore une fois, qui va se faire stopper par les barbares, suivi d'une boule de feu juste à l'arrière. Et là, vraiment, en fait, voilà, ce qui m'a causé tort dans cette attaque, c'est qu'il avait vraiment tous les sorts pour arrêter mes troupes et mon golem. Parce que clairement, si mon golem aurait explosé sur ses tours, comme un tel un kamikaze, et bah clairement, il y aurait eu moyen de gagner, je pense. Mais là, clairement, c'est pas passé, hein, clairement du tout. C'est pas passé. Voilà, donc encore une fois, j'envoie le dragon. Je sais pas pourquoi il a envoyé son sort de zap là sur le coup. J'ai pas très bien compris, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il l'a envoyé en retard. Donc mon dragon qui va tuer ses petites troupes. Et là, j'ai fait l'erreur d'envoyer un golem alors qu'il avait envoyé un cochon. Et c'est le drame. Voilà, la petite boulette de feu pour sécuriser tout ça. Et c'est une victoire d'Aor. Donc en tout cas, bien joué à toi Aor. Moi je suis éliminé pour moi les amis. C'est comme ça. Bref, bref, bref. Donc on va se retrouver devant le tableau des scores. Donc à tout de suite. Et donc vous nous revoilà donc devant le tableau des scores du tournoi Clash Royale. Donc voilà. Donc la finale opposera Aor contre Val. Des adversaires qui sont tous les deux assez forts, hein, clairement je pense. La preuve, puisque ils ont gagné leur match. Voilà. Hein. Donc forcément, c'est qu'ils sont pas nuls. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura certainement un petit interview avec le gagnant. Donc voilà, donc ça sera compté comme une sorte de bonus, je pense. Donc ça sera assez cool, voilà. Donc en attendant, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de cette vidéo vos pronostics. Est-ce que vous pensez que ça va être Aor ou Val qui va gagner
pour la prochaine, pour le prochain épisode, donc pour la finale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, voilà, j'aime, franchement, ce tournoi m'a vraiment passionné jusqu'au bout. Donc, ne loupez surtout pas la finale parce que là, c'est clairement l'épisode ultime, si on peut dire ça comme ça. Donc voilà, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes vidéos. Ensuite, mettez un petit pouce bleu et partagez sur tous les réseaux sociaux. Moi, je vous dis à la prochaine, c'était Wolfgang, et peace tout le monde!